Ouvrir les préférences de calcul. Sélectionnez « Action du vent ». Cochez la case pour le calcul de la pression du vent. Choisir la direction du vent. L'angle de rotation. Choisir si tenir compte de l'action tangentielle aux surfaces. Insérer la pression normale ou tangentielle aux différents niveaux. Ouvrir la vue 3D, action du vent. Indiquer les surfaces exposées au vent. Modifiez éventuellement les coefficients de forme de chaque surface exposée au vent. Exécutez le calcul du modèle structurel et coffrage. Pour afficher les actions du vent sur la structure.